Hello les gars, aujourd'hui on est au circuit de Spa-Francorchamps pour le 4e meeting du championnat de France de Formule 4 et on vous emmène avec nous pour passer une journée dans la peau d'un pilote de F4. Et donc ça y est, on est devant le box du pilote de Formule 4 qu'on va suivre aujourd'hui. Ce pilote c'est Louis Schlesser, 17 ans, première saison de Formule 4, avec à son actif une seule saison de karting. Donc c'est parti, on va vous embarquer avec lui dans sa journée, samedi, course 1, course 2, à Spa-Francorchamps. Ouais, tu l'as packagé, ça fait un descente. Comment il va, champion? Ah, c'est toi, super. Ça va? Ouais, tranquille. Moi, j'ai commencé en 2022. J'ai commencé par une ligue de cartes, donc 4 courses de mars, donc 2 courses en mars, 2 courses en avril. Et ensuite, ce que j'ai fait, on a vu que j'avais du potentiel. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que en septembre, j'ai fait des tests à la FFSA avec la F4 et ça s'est super bien déroulé. Du coup, ils m'ont dit, t'as une chance pour essayer la F4 et je pourrais. Et depuis le début de la saison, donc avril jusqu'à juin, du coup, j'ai fait des gros steps. Et voilà. Pause. Vous l'avez vu, Louis a donc commencé à piloter depuis à peine un an. En comparaison, la plupart des pilotes sur la grille de F4 avec lui ont commencé très jeunes et ont déjà plusieurs années de cartes à leur actif, pour certains des victoires en championnat et même plusieurs saisons en F4. Par exemple, petit aperçu du palmarès d'Evan Gilter et Enzo Peugeot qui sont en tête du classement aujourd'hui. Depuis le début de la saison, Louis rivalise donc avec des pilotes plus expérimentés que lui, mais il se défend très bien en piste et atteint des classements plus qu'honorables. Ça se passe super bien, là on est au 4e meeting de la saison, donc on est au milieu, on est en plein juin, donc avec la bonne chaleur, vous voyez, il y a du soleil et tout, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Comme à Pau, il y a eu beaucoup de pluie, là ça change un peu les météos, donc c'est du bien. Et là, pour la course 1, je pars P9, pour la course 2, je pars P2, parce que c'est grille inversée, et pour course 3, je pars P6. Voilà, donc j'ai été consistant en qualif, ce qui m'a permis de bien me positionner. Parfait. T'as bien mis le truc sur le hand, ça. Ah, c'est bon. Voilà. Parfait. Tu sens bien, c'est bon? Ouais. Parfait. Ouais. Allez, bonne course. Voilà. Oui, après tu vas. En haut là-bas? Non. Au premier. Ouais. Là-bas, c'est plus lent. Bon, là-bas, peut-être. Si tu vois que vous êtes passé, de toute façon, tu mets la tête juste un petit peu. L'accident était devant moi, je suis passé encore à ça. Tout va bien? Ouais. La voiture, ok? Pas eu de contact? Pas eu de contact, non. On m'a touché très peu, mais c'est pas grave. La course de ce matin, je suis parti 9, donc c'était la première course. Et franchement, ça s'est super bien passé parce que j'ai pris un super départ. Bon, après, je me suis un peu fait au safety car. À la relance de la course, je me suis fait un peu avoir. Et bon, après, je suis remonté jusqu'à la position 7.
Donc en soi, j'ai gagné 2 positions au total, ce qui fait que j'ai marqué des points pour le championnat. Et là, on va voir pour la course 2 à 16h54. Je pars deuxième parce que c'est la grille inversée. Ça veut dire que je pars, comme j'ai fait qualification P9, là pour inverser, je pars P2. Donc on espère être le plus haut et gagner le plus de points. Ils m'ont dit que je ne fais pas assez les pneus. Du coup, bon, là, j'essaie d'améliorer ça. Et puis, on va voir ce que ça donne pour la course 2. Notamment, je pars 2, quoi. Bah ouais. Je vais essayer d'être en tête et voilà, départ très bien. C'est juste chauffer plus les pneus. Et j'avais un petit problème avec les freins, je faisais mal, quelque chose mal, mais ça va s'améliorer. Et le restart ? Le restart, ouais, là aussi, le restart aussi, ouais, il m'a dit un peu, il fallait que je sois plus proche des voitures parce que je laissais trop d'écart. Donc mon temps d'action en soi était bien, mais après, j'étais pas bon en termes de reprise. Quelle sensation sur la course ? Super. Bon, j'aurais pu faire un poil mieux, mais au moins, je gagne 6 points pour la course. En général, sur les circuits, on est plus de la moitié à être sur les caravanes. Donc là, on peut voir que moi, je suis ici. Là, c'est d'autres concurrents, là-bas aussi. On est sur place et on n'a pas besoin de se lever plus tôt pour aller au circuit dès le matin et tout. Tu peux nous faire un petit tour ? Ouais. Je vais vous montrer ma caravane, là où je dors. Donc, comme on peut voir, là, c'est l'aspect cuisine, là, c'est la table. Là, c'est là où je me repose, je dors. Là, je suis tranquille. Vraiment, j'ai mon espace, je suis indépendant. Alors, les spécificités du championnat de F4, donc comparé à d'autres championnats en France, tout est équitable. Et la voiture, elle est prise en charge par la FFSA Academy, dont ils ont 26 voitures et toutes sont pareilles. On peut changer des petits réglages, mais rien de gros qui fait vraiment une seconde de différence. On a tous des mécanos en formation, donc pas un mécano plus expérimenté que l'autre ou quoi, donc c'est vraiment super. Et par bâche, il y a 5 voitures ou 6. Et on a des super chefs mécanos, notamment le mien qui est là. Damien Bigot. Bonjour. Donc il y a 3 courses dans le week-end. Il y a course 1, 2, 3. Course 1 et 3, elles ont le plus de points. Donc le premier gagne 25 points. Course 1 et course 3. Course 2, le gagnant il gagne 15 points. Donc c'est plus équitable de faire un meilleur score dans la course 1 ou 3 que course 2. Mais bon, moi comme je pars en grille inversée, donc deuxième, je vais gagner moins de points, mais une victoire c'est quand même une victoire. Ce qui se passe entre chaque course, c'est que tous les élèves mécanos vont prendre respectivement leur propre voiture et les réviser intégralement. Ils vont passer à la fois par le pneumatique, par le frein, par l'aérodynamique, par l'état de la carrosserie, l'état des freins. Et si besoin, ils réparent ce qu'il y a d'endommagé pour aller ensuite sur la dalle. Quand on roule en F4, on utilise principalement les boutons Start and Stop, Page, End et Rain. Donc déjà, le premier bouton, ça c'est pour démarrer la voiture, pour mettre le contact et tout, pour que le moteur commence à marcher. Page, c'est tous les petits détails, donc la répartition de freins, l'angle de volant, tous les petits détails. Le N, donc c'est le neutre, c'est pour passer du neutre à la première vitesse, pour aussi mettre première à neutre. Et Rain, c'est le bouton pour jamais il y a la pluie, pour signaler, pour avoir les feux d'air, pour pas qu'il y ait de gros accidents graves et tout. Voilà. Tu fais quoi en premier ? Je chauffe mes pneus, ça va être 2 tours. Pas 1 tour, 2 tours. 2 tours, oui. Jusqu'au bout, même jusqu'au dernier moment, ok ? Ouais. Ok ? Donc après, embrayage. Ok ? Tu le colles, on est d'accord, comme d'habitude. Hein ? T'as toujours réussi tes départs. Et après, on va prendre on va dire une bêtise. Il y a un safety car. Ouais. Tu te retrouves. Bon, deuxième, tu sais ce qu'il faut faire, mais imagine que c'est toi le premier. Parce que l'autre, il a eu un problème moteur ou il a un peu. Il y a un safety car et la course, elle est sous ta direction, c'est toi. Et alors, tu fais ? Je freine, je ralentis. Tu sous comptes ? Non, non. Oui, tu continues à chauffer les pneus tout le temps, tout le temps. C'est vraiment primordial. Okay. Quand le safety car dégage, tu fais ? Ce que je fais, je fais des longis. Voilà. 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 Mais tu regardes bien qu'ils soient tous bien tassés. Et après tu accélères parce que c'est toi qui décides.
progressivement en température. Et comme on l'a dit ce matin, essaye bien de sentir ton axe avant pour voir ce qu'il y a en train de venir ou pas. Ouais, bien freiner, 80 barres, sans bloquer surtout. Sans bloquer, le mieux que tu puisses faire sans bloquer. Ok ? On se revoit en grille ? Allez. J'ai la roue, je sais pas, je bloquais à chaque fois en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit, bon, c'est rien du tout. Et tu vois, au cours, je rattrape les gars. Donc à l'extérieur, j'ai freiné pareil comme je fais. Et boum, direct, ça s'est bloqué, direct. Et du coup, je suis allé tout droit et j'ai vu que j'étais qu'un. Non, mais t'as bien fait, t'as bien. Bien fait, pourquoi? Non, mais parce que. Qu'est-ce qui s'est passé un peu sur cette deuxième course? Alors, à la course 2, je suis parti donc deuxième, mais le problème, c'est que je sais pas si c'est moi ou c'est la voiture, mais j'ai la roue, elle bloquait assez facilement à droite. Du coup, dès que je tapais sur les freins, ça bloquait direct. Et du coup, j'ai vraiment un gros plat sur le pneu, vraiment très très gros. Peut-être c'est moi, mais franchement j'en ai aucune idée. On va regarder parce que franchement ça me paraît louche. Parce que déjà que je chauffais pas trop assez les pneus, là ça m'étonnerait que ce soit mes pneus ou quoi. Bon bah demain tu pars 6ème. Ouais, j'essaie de faire podium, j'essaie tout. Alors il y a deux possibilités, soit il a bloqué, il s'est fait un mini plat et après à chaque fois qu'il refreinait, il se refaisait le plat au même endroit. Soit c'est un petit déséquilibre sur un problème de barre de torsion ou de poids à la roue, voilà. Ils vont faire l'analyse des datas et puis... on va regarder ça, oui, mais bon. Bah, c'est sûr que lui, il est déçu, mais ça fait partie de la course. Et bien sûr qu'il aurait aimé gagner, il aurait aimé être devant, et voilà. Bon, il part 6ème demain? Oui, demain il part 6ème, c'est bien, sur une grosse course où il y a beaucoup de points à prendre. J'espère qu'il va bien courir, qu'il n'aura pas de soucis, et puis voilà, et ça va le faire. Avec des pneus quasiment neufs? Et alors, il aura les pneus gauche qui seront mieux, et le pneu droite, je ne sais pas comment il va faire, parce que comme il y en a un qui est bousillé, l'autre, il n'est pas terrible non plus. Il va falloir qu'il gère. Bon les gars, ça y est, on vient de terminer notre journée avec Louis ici en Belgique et son père. On a passé quand même une superbe journée malgré ce que vous venez de voir avec l'abandon de Louis sur la course 2. Et puis on espère que tout ça vous aura plu. En tout cas, nous on a vraiment passé une super journée. Un immense merci à Louis et Jean-Louis pour leur accueil. À la FFSA aussi qui nous a permis de filmer beaucoup de choses. Si vous voulez suivre un peu l'évolution de Louis en F4, n'hésitez pas à suivre son compte Instagram. Vous pouvez aussi aller sur le site de la FFSA pour voir ses résultats. Et puis on vous dit à très vite. Allez, salut les gars. Bon bah Louis, merci d'être avec nous et de pouvoir débriefer un peu. Donc raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé dimanche à Spa pour toi. Alors déjà la première chose, c'était un week-end avec beaucoup de potentiel. Pendant les essais, j'avais fait des bons résultats et tout. Mais le souci, c'est que à la course 2, bon, j'ai déjà eu un souci, vous allez voir dans la vidéo. Et à la course 3, j'ai fait mon départ, donc normalement, comme tout le monde. Et j'ai fait 20 mètres et voilà, je suis rentré parce que j'avais un problème avec le turbo. Il y a un truc qui s'est cassé, un truc qui tenait le turbo. Enfin, je connais pas trop la mécanique, mais ça s'est cassé. Et du coup, au lieu d'avoir 100% d'accel, donc de puissance, j'avais que peut-être 30% de puissance. Donc bon, quand j'accélérais, j'allais pas vite, quoi. J'allais pas loin. Du coup, quand j'ai vu ça, je suis direct rentré, quoi. Et donc pas du tout le même problème que ce que tu avais eu la veille, le samedi? Non, pas du tout. Ok, et donc là, au classement, à la suite de ce week-end-là, 14e?
au championnat. 14e. Ok, et donc prochaine étape à Misano 14 ou 16 juin. Pas longtemps. Exactement. Très bien. Est-ce que d'ici là, les mécaniciens ont le temps, entre deux meetings, de voir tout ce qui s'est passé sur la voiture et de tout réparer? Oui, bien sûr, parce que entre Spa et Misano, il y a plus d'un mois de décalage. Même s'ils ont d'autres courses, s'ils ont d'autres événements, ils ont bien sûr le temps de le faire, parce qu'il y a tous les chefs de bâche qui vérifient, ils en discutent et tout, ils ont des réunions et tout. Bon, parfait, merci beaucoup Louis. Et puis bah, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être avec toi Louis, ou sur un autre circuit, mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo.